Soyons honnêtes, quoi. Est-ce que tu as déjà parlé des finances AEG? Combien ça coûte au départ par mois, les rentrées, ou c'est confidentiel? Bon, c'est globalement confidentiel, hein. Il faut pas se cacher. Il N'y a aucune raison que je donne toutes les infos, mais on est à la recherche de partenaires. On est à la recherche de partenaires actuellement, parce que bah, forcément, on a des envies de grandir, on a envie de recruter des gens, on a envie de passer un cap aussi. Donc, disons que là, ouais, on est à la recherche de sponsors. On pense en plus que vraiment on a la bande passante, on a les gens en interne pour s'en occuper, on a des bonnes idées de créatives. Donc si aujourd'hui vous avez si aujourd'hui vous avez une société ou vous avez des idées de partenariat, n'hésitez pas quoi. Si aussi vous voulez peut-être participer à Aegis, je sais pas si on pouvait mettre un truc en place, mais par exemple tu vois avoir un truc. J'aimerais bien créer un petit programme My Ultra, tu vois, un truc My Ultra Aegis ou My Aegis où vous avez le droit à quelques petits trucs et en même temps à vous payer un petit truc mensuel comme un abonnement de supporter quoi. Ça, j'aimerais bien mettre ça en place parce que ça peut vraiment vous donner plein de petits cadeaux, plein de petites idées et en même temps bah nous ça nous ferait une petite rentrée d'argent. Ouais. Des NFT, mais non pas des NFT. J'ai deux entreprises, contacte-moi, ça me ferait plaisir. Bah, n'hésite pas à envoyer un mail, hein. N'hésite pas à envoyer un mail. Shonescontact@gmail.com. Alors, qu'est-ce qu'on a ici hein? Est-ce qu'on a Vex, mais on n'a pas de Riftwalker, on n'a pas de mascotte dans les rôles. On a Luciane. On a démarré avec une tire, on a une Rel. On a du Prout, mais je joue jamais Prout. Rel, c'est quand même plutôt fort. Démarrage tir, c'est difficile de prendre ça. Alors, à mon avis, vendre ça. Kaïsa rigide? Non, alors, on va jouer sérieusement. On va jouer ce que je nous donne. J'ai perdu trop d'LP. Ouh! Oh putain, si on a le blue buff. Bon, je vais slam blue buff. Ok, why not? Et du coup, je vais peut-être slam le buff sur Vex, les gars. Après, j'ai pas de mascotte, j'ai pas de heart, j'ai pas d'infinity. Il va falloir que je push là. Donc, je vais vendre ça et ça, hein, je pense. Peut-être c'est une game Vex. Hein. Ok, j'aime bien ça. On va voir. L'application? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, ça peut se mettre en place, mais... Qu'est-ce qui aime bien Blue Buff en late game, à part Vex? C'est pas trop, ouais. Léona, c'est vrai. Sona, c'est vrai. Ah, Sona, putain, avec Panthéon, j'avoue. Ah, Sona Vex. Alors, on a un petit Renegade là si on souhaite. Et on a Infinity. Oh, il est front, c'est pas mal. Un peu excentré, mais. Il est très excentré, mais bon, ça me donne deux pantalons donc. Oh, il est vraiment pas ouf. Hein. C'est un des pires celui-là. Bon, on va voir. Bon, je vais bosser, bonne game. Au fait, l'overlay tracker TFT est malheureusement encore cassé. Ouais, je suis désolé, hein, il est cassé. Dès que je suis un peu bas en LP, il est cassé, c'est trop sûr. Et du coup, voilà, en fait, la case forte ce genre de choses. C'est un peu relou. Ouais. Pas si vite à récupérer le kill, on a un peu de chance. Ah, attends, avec la rédemption là. Oh non, Vex qui a tapé dans la clo. Putain, on aurait presque pu le perfect, hein. On aurait presque pu le perfect, hein. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? On pourrait check l'admin.
Combat start, admin gagne 40 d'AP. Pas mal. Combat start, your team gagne 25 d'AP. Pas mal. Non. Oh, ça c'est big aussi. On kill gagne 20 d'AP. C'est dingue. Après, pour l'instant, je préfère deux panthéons. Après, j'ai mascotte. LB Blue Bluff avec Sri là, c'est fou même. Ouais, ouais, c'est complètement fou. Mais je me rends pas compte à quel point je peux jouer ça. Est-ce que je garde tout? Parce que là, on a paire de Lucian, paire de machin. C'est une game hacker pour vous? Ah, y'a pas beaucoup de baguettes. Hein. Y'a une Leblanc. Ouais, voilà, le problème c'est que la baguette a été prise. Ça m'arrange pas du tout. J'ai démarré avec tir. Belt gant peut être pas mal là sur la Annie. Ça, ça me donne Lucian 2, mais ça me donne rien à Slam. Est-ce qu'on fait Rédemption? Est-ce qu'on fait Sunfire? J'ai mis un Rédemption sur Panthéon. Lux, Malphite. Après là, ça peut faire l'Archange. Si je fais ça, le Panthéon il arrive là, je crois. Pas forcément, ouais. Oh là, je perds contre lui, hein. Non, le Shenouille, non plus, c'est bon. Nice. Sinon, on joue juste mascotte avec Level 6, 4 lasers, statique. Oh, mais je bats jamais lui. Non, oh là là, quel jeu de mort. Injuste. Bah, j'ai envie de jouer Vex, mais c'est quoi? C'est Vex reroll avec Lee Sin Gangplank ou. C'est le truc que je joue Volta pas mal là. J'ai jamais joué. C'est genre Riftwalker, Vex, et tu joues Vex 3. Voilà. Presque j'aurais dû. Mandazus. Tu joues quoi? 4 mascottes, Riftwalker. Après, il y a un autre truc qui manque. 1, 2, 3. Jean 4, Pyke 5. C'est qui les deux derniers? Tu joues super? Je crois pas que tu joues super. Quel jeu de cul, hein. Putain, tu démarres AP et tu démarres tir. T'as deux arcs, quoi. Le problème, c'est que je peux même pas faire statique, hein. Parce que ça me bouffe le tir, hein. Game Heart Soda.
vire Infinitime. Bah, juste Infinitime, ça me donne deux Panthéons. Mais c'est peut-être pas la tech, quoi. Ah oui, non, surtout que ça me donnait un plus 1 Infinitime. Ah, j'oublie ça. Bon, on peut pas jouer admin. Titan is rot. Ouais, mais bon, après la game va être finie, quoi. Mais je pense qu'on peut rester sur notre plan de jeu. Est-ce qu'on roll un petit peu pour trouver des trucs sympas? Parce que je suis faible de ouf. Ni là. Sivir. Si je fais statique, je sais pas quoi en faire après, d'ailleurs, les gars. Après, si je fais RFC, je me dis que ça allait sur Jean, mais. C'est con de pas faire statique. Ah, oh, mais RFC Jean, c'est cursed. Mais je sais pas où je vais, du coup. Parce que là, je vais me taper un truc de 4 costes. Ah merde, on est tombé contre Aurélion. Non. Ouais. La vache. TF Nico. Je pense qu'on peut aller vers TF Nico là. En vue du gear, oui, clairement. Ouais. Ça, c'est. Vue du gear, ça donne envie, c'est sûr. Barrière anti-backseat? Ouverture de la barrière. Hop là, il peut rien faire. Il a gagné celle-là. Parce que je suis d'accord pour dire que l'Infinity me sert pas à grand chose, mais il est gratuit. Prochain level, c'est Alistar. Il y a deux golds, hein, attention. Ça peut être. Ça peut être. Une autre augmente à la fin. Optiniska. Là, je suis comme les trapatonnés. J'ai figure de là-bas. Boum! Putain, balle. Oh! Mmh.
après on vendrait ça, ça. Ça, ça rentre. Ok, merci Don Riva pour le quatrième abonnement. Laissez-moi dans mon délire, je fume des joints à l'arrivée, je attends sur la lune. Vélo. Colo. Télo. On aurait pu mettre l'arc sur Sivir ou TF depuis tout à l'heure. C'est pas déconnant. Mais je pensais qu'on pouvait avoir un Zrot. Après de la pluie viendra le beau temps. Il est où le gars Laser Corp sans PV là? Ah bah ok, j'ai ma réponse. Il a eu quoi comme spat? C'est pas Laser qu'il a eu. Donne-lui les torses. Oh le pauvre. Ok, big. Bon, pantalon. À la niche. Les bacs, moi j'aime trop les bacs dans la musique. Merci Eskimot. Avec deux. Je sais pas si on le... Ah, c'est un Asus aussi. Bon, du coup, je pense que si. Colo. On n'est pas obligé de roll ici. Je pense pas qu'on fasse Titan. En vue de Titan, clairement c'est une game Oxford. Hein. Merde, j'ai collé. C'est un peu incurvé parce qu'on passe de mascotte Riftwalker à ça. Ça pourrait être une game Jean avec Diego et tout. Hein. Y'a aucun problème avec ça. Ah, c'est bien qu'on arrive à le battre lui, étant chain win. C'est exceptionnel ça. Parce que j'ai Jewel Lotus et ça me donne 4 mascottes et je peux lui mettre un Titan. Oh. Ouais, je vais me débrouiller mais c'est beaucoup plus fort. Hein. Ça sert à rien lui. Après Pike il te donne un bon CC, faut pas sous-estimer Pike, c'est pas grave si on perd un goal. Rigide mascotte, ah bah là je suis en full roseau pas rigide là. Rendez-vous compte. Hein. Est-ce qu'il y a pas un truc incurvé avec... Qu'est-ce qui peut porter un blue buff dans un Riftwalker mascotte et tout là? Sinon je peux te laisser une Vex hein. Parce que là, admettons, on garde le 4 mascotte. En fait, là, pardon, je mets Jean, Viego. Du coup, le TF doit dégager. Donc, qu'est-ce qui porte le statique? C'est Jean. Ça serait très incurvé, mais du coup, ces deux-là dégagent pour Jean, Viego. C'est incurvé, mais c'est original. Hein. Faut le voir comme ça. Sauf qu'on joue pas la verticale Renegade, sauf avec Leona. Et auquel cas, je pourrais remove Vex pour donner à Leona. Il y a des trucs à faire. Là, le problème de Nunu, c'est qu'il est nul. Parce que dans ce jeu, il y a Kai'Sa. Perfect.
Bon, après le coup, ah ouais, non, mais d'accord, ok, non, non, là, c'est abusé. Hein. Kai'Sa 2, Nico 2, Syndra, Echo 2 au level 7. Non, 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 ok, là, lui, c'est. Tu veux dire qu'il est nul? Non, il est nul. Ça, c'est big. Il fait quoi l'autre fou là, quoi, partout? Est-ce qu'on peut la jouer cette Janna? Parce que c'est quand même une Janna, à la place de Pyke temporairement. Syndra vient de l'Augment. C'est laquelle qu'il a d'ailleurs? Ouais, non mais. Fou furieux ce qu'il a. Hein. C'est le shield. Trop cher de push. Je sais pas, je suis en train de jouer un truc incurvé, j'ai l'impression, les gars. Parce que là, maintenant que j'ai Spellslinger duelliste, je suis plus obligé de changer. Hein. Stop incurvé, ça veut dire quoi? Bah écoute, Galégator, tu tapes incurvé sur Google, comme moi. Définition. Avoir une forme courbe concave. Ben voilà. Donc je joue quelque chose de concave. C'est pas un truc tout droit, quoi. C'est pas un truc facile, rectiligne. Miss Vex 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Kai'Sa, Aurélion aussi, Laser Corp. Kai'Sa. Kai'Sa. Nico 2, TF2, Atrox 2, Syndra. C'est vraiment des sacrés coups, hein, quand même. Je sais pas si c'est ce qu'on compte. Hein. On est sur des niveaux de couze ultimes. Qu'est-ce qui branle, Nunu? Mais fais des dégâts! Mais Nunu sert à rien en fait, c'est ça le problème! Putain, c'est big quoi! Gagne 15 d'AP et additionnel 10 every 5 secondes, c'est huge! Parce que là, j'ai un bon setup, hein. No joke, j'ai un super bon setup. Hein. J'ai Blue Buff Vex, un Shred, je crit, je heal quand je fais des kills, j'ai des items d'early game et de tank. Je gagne de la paix toutes les secondes. En vrai, je trouve que j'ai un setup exceptionnel. D'avoir 40 HP, c'est pas normal. Trop peu. Si la raison, c'est juste que je joue pas Kai'Sa, c'est quand même dur. Hein. Oh, j'ai le jean! Oh la Léona, par contre, c'est big! Hein. Alors, je sais pas comment je m'en sors là-dedans, mais. Non! C'est pas vrai. Attends. Morello G, Gunblade. Le Nunu 2! Oh, ça touche ça. Là, ça touche les coups. Hein. Ah non, je perds pas contre le plus faible du lobby quand même, assurément. Non, attends, j'ai Nunu 2, j'ai Nunu 2. C'est pas bugué du tout. Hein. J'étais même pas dessus, putain. Je pense que ces deux-là sont pas bons. Un truc comme ça. Faut faire un truc comme ça. Et Pyke à la place de lui. Et on fait mascotte. Hein? Mais non! Mais non mais! Mascotte! Mascotte!
régime statique. Et c'est qui à la place de Fiora? Echo, Syndra. Très bien, Syndra. Il manque quoi? Jhin 2. Je sais pas si je mets le blue buff ici. Sinon, c'est ça et c'est 6 mascottes. En fait, c'est soit je mets le blue. C'est vrai que le Renegade est sus là. Je pense que c'est 6 mascottes les gars. Et en fait Jhin et Viego donnent juste le Riftwalker. Donc il faudrait que j'ai Nasus. Parce que notre Karis c'est Nunu. C'est bien, ouais. Et donc c'est... Alors est-ce que c'est Syndra ou Leona qui dégage? Si Leona a pas de stuff, pour moi c'est pas un champion. Donc, donc j'aurais dit elle. Aatrox, mascotte, c'est broken? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ça va être ça. Après, Leona, elle donne Renegade. Maintenant, on a Jhin 2, Viego 2. Ouais, non, c'est Leona qui doit rentrer. Niveau synergie, c'est quand même sympa. Hein. Après le gars il doit avoir Kai'Sa 2, c'est pour ça qu'il est fort. C'est perfect. C'est épuisant. Je sais pas, c'est quand même sympa ce qu'on joue là. Faut juste Vex 3 là, mon ami. Si j'ai Leona 2, je lui donne le blue buff. Mais... On a du shred, on a du heal, on a des dégâts. On a de la... Bon, la mascotte c'est moins fort en late game, mais. Faut juste Vex 3, je pense. Et regarde Nunu, il rate tout! Il est mal codé en fait, Nunu, Justin. Il est mal codé! Ah ouais, mais. Il est mal codé. En fait, là, je joue des champions qui, sur le papier, sont bons, mais qui sont mal codés. Genre, il a raté toute une vague. Il a raté tout le monde, legit. Rah, j'aimerais bien revoir le pattern de Nu. C'est terrible de faire top 4 sur ça. En fait, Kai'Sa, elle rate jamais. Kai'Sa, elle auto-attaque, tu vois, tu sais que ça touche. Laser, c'est pareil, tu sais que ça touche. Nunu, il passe à côté.